C'est que, à mon avis, les communautés chrétiennes ont besoin de prendre conscience de l'évolution que notre Québec a vécue au plan religieux. Une communauté chrétienne ne peut être une cellule d'Église que si elle assume, dans toute son ampleur, la mission de l'Église. Il faut donc qu'on proclame l'Évangile, il faut qu'on enseigne avant d'offrir les sacrements. Témoin, ça, tout le monde peut être témoin. Et ça, c'est la responsabilité de quiconque est chrétien. Mourir dans la dignité, ça n'enlève pas le caractère pénible de la mort. Mais ça comporte surtout une assistance, un accompagnement. La nouvelle évangélisation, c'est une manière nouvelle d'évangéliser. C'est quoi d'arriver avec un nouvel évangile? Bonjour, Mgr Maurice Couture. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, chez les Pères de Saint-Vincent-de-Paul. Et on se trouve ici sur l'étage de l'infirmerie. Eh oui. Mais bien heureusement, vous êtes en pleine forme. Oui, bien moi, je loge à l'étage inférieur, mais je sais fort bien qu'un jour ou l'autre, si tout au moins j'ai encore une certaine mobilité, c'est ici que je vais aboutir avant d'aller à Cardinal-Bachon. Alors, je suis très réaliste et par le fait que je demeure dans une maison qui a été la mienne, quand je regarde les arbres qui sont là, ce sont les arbres que j'ai plantés en juin 47, imaginez-vous. Hein? Et puis, je loge dans la chambre que j'habitais lorsque j'étais étudiant ici. Mmh. Alors, pour moi, c'est vraiment revenir aux sources en sachant bien qu'un jour, je vais monter vers le ciel. Oui. Et puis, la première étape, ça va être de monter au troisième étage où nous sommes.